Ouais, après on n'a plus trop le choix quoi, parce que la fin des phases régulières approche. Et bien sûr qu'on veut se qualifier, donc là il va falloir gagner tous les matchs. Donc ouais, elles font plaisir, mais c'est aussi une logique dans la course à la qualification. Ouais, après pour le groupe, bah avec ce qui nous est arrivé, bien sûr c'est une marche qu'il va falloir franchir, mais je pense qu'on est capable de. On est capable de tout si on met les bons ingrédients au bon endroit. Donc, ouais, on y va un peu comme les outsiders, mais on va chercher quelque chose là-bas, oui, bien sûr. Alors, point fort, c'est le jeu à l'irlandaise, quoi. C'est groupé pénétrant, les mêlées, le jeu au pied. Faut pas tomber dans un faux rythme, parce que ça, il le maîtrise à la perfection. Et va falloir jouer notre jeu, quoi. Ouais, mais ça, on le travaille aussi toute l'année, parce que de plus en plus, le jeu d'occupation, de pression comme ça sur les ballons, c'est une arme qui est devenue un peu courante. Donc ouais, on l'a travaillé toute l'année. Après, on le travaille encore plus parce que et les conditions qu'il risque de faire ce week-end. Donc ouais, on l'a travaillé et on le travaille encore beaucoup. Faut pas non plus se figer sur ce qu'il y a en face. Moi, je me concentre plus sur moi, je pense, sur mes performances à moi. Et ouais, bien sûr, en face, c'est des joueurs de classe mondiale, internationale, mais avant tout, c'est soi-même et voilà, faut foncer quoi, faut pas trop réfléchir. C'est des images qu'on a revues. Après, bien sûr, on regarde les matchs qui sont bien plus récents, mais on va s'appuyer sur ce qui a marché à l'aller, même si les équipes progressent, elles avancent. Donc, on se bat sur l'an dernier, mais aussi sur les derniers matchs qu'ils ont joués aussi. C'est des souvenirs. Bon, il n'y avait pas le public, ils jouaient, je pense, un peu, mais battre cette équipe chez elle, c'est quand même c'est merveilleux quoi. C'est magnifique, c'est des matchs que je regarde depuis tout petit, quoi. Le Munster, c'est une grosse écurie, donc ouais, les battre chez eux, ça fait plaisir. Ça met des étoiles dans les yeux un peu. Mais il faudra reproduire cet exploit, je peux dire ça comme ça. Ouais, bien sûr, ça donne de l'expérience. Et puis on se dit qu'au final, qu'on en est capable, quoi. Personnellement, au début, on en doute un peu, mais après, on rentre vite dans la bataille. Et ouais, ouais, ça donne beaucoup d'expérience. Ouais. Quand même, après 3-4 ans. De formation pour apprendre de jouer à un nouveau poste. Ouais, j'espère que je commence à maîtriser un petit peu. Mais ouais, de base, non, c'est pas mon poste de formation. Mais après, il faut savoir avoir plusieurs cordes à son arc et c'est pas plus mal, quoi. Je suis bien content de jouer là. Et ici, franchement, on va parler dès qu'on est sur le terrain. C'est une opportunité, donc que ce soit à l'aile, au centre, à l'arrière ou même en pilier, j'y foncerai. Je pense dans l'activité. Le poste d'ailier aujourd'hui, il faut se proposer partout. Même en défense, c'est le mec qui est au bout et qui gère un peu les situations de crise comme en attaque. C'est le mec qui est beau parce qu'il va finir les coups. Mais c'est un poste qui demande beaucoup d'aptitude, d'analyse. Et sur ce côté-là, ouais, il y a beaucoup de progrès à faire. Ça nous a permis de. Bon, après, on est parti que 2 jours, donc c'était quand même assez condensé, assez court. Mais. Ça resserre les mecs, on a le temps de déconner entre nous, quoi. Et puis le temps là-bas, c'est un peu apprêté à ce qui nous attend ce week-end. C'était un peu plus vieux, donc ça nous est allé dans la préparation. Mais ouais, les stages comme ça fait toujours plaisir de resserrer un peu toute l'équipe. C'est triste pour le club, c'est triste pour moi parce que c'est quelqu'un qui m'a accompagné aussi. Quand je suis arrivé ici, qui m'a pris un peu sous son aile, qui m'a donné beaucoup de conseils. Donc, ouais, je suis attristé par son départ, mais il a tellement donné à ce sport, il a tellement donné au club, et pour moi, c'est une légende. Donc, tu peux dire que merci, quoi. Merci, et espérons avoir la même carrière que lui, même si c'est compliqué.